Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo placée sous le signe de la release candidate. Donc on est à quelques jours, quelques heures de la publication de la version finale de la version de la version finale 1.21.2 avec le jardin pâle comme principale évolution, mais aussi quelques nouveautés dans cette version qui porte le nom de Bundles of Bravery. Donc pour l'occasion, j'ai créé une nouvelle partie et l'équipe de Iris a super bien bossé, ce qui fait que je peux jouer avec la version modée avec les shaders, et quelque part c'est vraiment très 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 agréable. Je pense que j'aurais du mal à retrouver le jeu en format cube classique. Voilà, donc on va se lancer comme d'habitude dans la recherche d'un petit village. Est-ce que vous voyez au loin quelque chose? Non, je ne vois rien du tout. Donc c'est reparti. Donc je vous avais fait voir la dernière fois l'une des nouveautés avec les bulles qui avait un petit son sympathique. On peut y retourner si vous voulez la voir. Voilà, donc on voit les bulles et on voit qu'elles se vident. On a le petit bruit bloup bloup bloup. Voilà, bon allez, on passe là dessus parce que donc ça c'était une des évolutions que l'on avait pu voir principalement dans la dernière vidéo que j'ai faite. Alors je vais pas le tuer parce que un seul mouton avec une laine grise, ça m'intéresse pas vraiment. Et on part avec le pari. Allez, ça par contre. Je disais donc, on part avec le pari qu'on va trouver un village. Et que donc on va pouvoir passer une nuit à l'abri. Vous y croyez? Moi oui. C'est parti. Oula. Il fait jour, mais on entend un zombie. Alors, waouh, pas évident. Ouais, il doit y avoir des grottes par ici. Et conclusion, on entend bien les zombies, donc je vais pas traîner dans le coin. Le petit biome avec les cerisiers. Les cochons, vous allez y passer. Désolé. Oh, le bourraté. Hop. Et donc, je disais, je laisse les moutons tranquilles. Sauf s'il y en a trois blancs, mais non, j'en vois que deux. Il me reste deux cochons là-bas. Trois. Tant que les développeurs se penchent sur la possibilité que les cochons, enfin ou tous les animaux domestiques, puissent fuir quand on les frappe, parce que là franchement c'est franchement n'importe quoi.
Alors les vaches pour l'instant on les laisse tranquilles. Là-bas j'ai un bateau échoué. Ça y ressemble bien. Et il va falloir que je trouve de la roche. Ah non mais c'est quoi ce délire? J'ai un bateau ici, un autre là-bas. Par contre, j'ai pas de village pour l'instant. Bon. Il va falloir creuser un peu quand même. Pas de village, pas de village. Eh ben tant pis. La première nuit va être un peu compliquée. Ah, ça y est, j'avais de la roche là. Par ici pour la nuit. Vous l'avez entendu? Ouais. Donc lui, super dangereux. Et moi, je fais quoi? N'importe quoi, vite, on se barre. Pourquoi le bateau est plein de flotte? Donc il y a un noyé qui est équipé de sa satanée épée, pas épée, son... comment ça s'appelle d'ailleurs ce truc là? Enfin bref, vous voyez ce que c'est? Oui? Non? Le v'là. On va laisser sortir. Ah et quand il sort de l'eau, il a encore son truc, il peut me le tirer dessus. Voilà, et donc je cherche le nom, je trouve pas. Et quand on en a une pour de vrai, c'est génial. Mais là, j'en ai pas récupéré. Donc tant pis pour moi. Bon, maintenant, il devrait pas revenir. En fait, il devrait pas y en avoir un deuxième. Quand même des doutes. C'est quoi ça? Ah bah oui, c'est un noyer, donc je récupère deux.
de la chair putride, putréfiée. Ça, ça se détruit plus facilement avec ça. Et on retourne au bateau. Oui, puis on va passer un petit peu de temps ici. Hein. Donc, hop, on va fabriquer une pelle. On a ce qu'il faut, très bien. Et oui, pas suffisamment pour refaire un four, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce qui me manque? Oui, il me manque le truc indispensable quand on veut faire de l'exploration sous l'eau. Tout simplement des portes. Alors, est-ce qu'on tente la récupération d'une porte ici? Non, on va en fabriquer une. Hop là. Trois portes en chaîne. Et c'est parti, on va pouvoir aller la poser. Non pas ici, plutôt par là. Ok. Je ne veux pas sortir. Ah, le sable. Contraignant ça. Ça veut dire qu'il est où le coffre? Tellement il est de ce côté là. Ah ben voilà. Oh, très joli. Très très joli. Magnifique. Que va-t-on faire? Que va-t-on faire? On va créer une boîte pour faire, hop, voilà, le bateau qu'on aime bien et dans lequel on va mettre plein de trucs qui pour l'instant ne nous servent à rien. Mais qui nous serviront plus tard. Je redescends. Youpla. Non, avec ça. Tadam, trop bien. Oh non, pitié. Pourquoi j'ai que à faire des monstres horribles? Ah non, je crois qu'il était dessus, mais c'est pas un bébé. Un bébé zombie sur un... sur une araignée, c'est juste une araignée et un zombie juste à côté. Ok. Donc, on laisse rien traîner. Putain, c'est pas vrai. Et on a donc... Ah ouais, quand même. Sur quoi on part? Ouais, la pioche, c'est indispensable. J'ai même pas encore commencé ma pioche ici, mais si je pars là-dessus, il me restera ce qu'il faut pour la cisaille. On est bon. Ouais, nous sommes bas là. Qu'est-ce qu'on n'a pas du tout? Eh bien, on n'a pas du tout... on n'a pas du tout de... quoi se protéger, mais ça, c'est pas grave. Elle va être... Oh, ça va être en dessous, là. On se repositionne. Le deuxième coffre, il va être où? Pas du tout ici. Mais là, je récupère du bois.
C'est étonnant ça. Non, bah ok. Il y avait plus simple quoi, hein, bien sûr. Allez, on récupère tout ça. Donc ça fait deux coffres. Potentiellement, il en reste encore en dessous. Ça va être chiant, ça. Vous l'aurez compris, mon objectif est de récupérer du bois, encore du bois. Donc là en dessous il devrait y avoir encore. Non, c'est avec ça. Avec la pelle, ça marchera pas. J'ai des doutes sur les emplacements des coffres là. Ah mais si, oui, c'est possible. Voilà. Le dernier coffre est là. Et alors, une carte au trésor. Trop bien. Ah, par contre, elle n'est pas à côté. Ça arrive. Ah, je suis... Ah oui, en fait, je suis pas sous l'eau. Bien, maintenant nous pouvons repartir. Alors il y avait, si mes souvenirs sont bons, un dauphin, oui, là on l'entend. Non, ce que je voulais dire c'est qu'il y avait un autre bateau par là-bas, donc on va aller dans cette direction. Voilà le dauphin. On essaye de scruter par la même occasion pour voir s'il n'y a pas un village. Et à voir si je trouve un mouton, enfin trois moutons, non, hein, des moutons. Et ben, je peux aller chercher les moutons. J'ai la cisaille maintenant. Le deuxième bateau, il n'est pas là. Je ne vois pas de village non plus. Mais maintenant que j'ai bien équipé mon bateau et surtout le coffre du bateau, je ne peux plus m'en débarrasser.
Donc il va falloir trouver un système et se poser à un endroit. Si, là-bas le bateau. Et pourquoi le bateau il est plein de flotte? J'ai plus l'habitude de ça. Ah, moi je crois que je vais faire mon... J'adore. J'adore l'idée d'avoir le... Oh, en plus il y a des moutons ici pour faire mon lit. Là-bas il y a un nouveau biome. Allez hop, ça c'est récupéré. Bah, le bateau là j'y touche pas. Il est trop bien. Trop bien. Ah ouais. Waouh. Bon, il est un peu bizarre. Mais pas mal du tout. Je l'aime bien. Allez. Et j'ai pas regardé. Je me suis éloigné. Bon, ben ça sera le but du jeu. Allons chercher de quoi faire un lit. Voilà. Et c'est tout bon. Là, vous vous doutez que ce n'est pas pour faire du verre, mais bien pour installer par ici une petite zone pour la plantation de la canne à sucre. Je pourrais aussi prendre ça. Alors là, oui, voilà, il faut faire comme ça. Ça servira seulement si je trouve des tortues. On part là-dessus? Ouais, on part là-dessus. On part là-dessus et je sens que je vais m'arrêter pour maintenant et peut-être préparer tout ce qu'il faut pour lancer un petit live avec tout ça. Voilà. Donc cette vidéo, bah, c'est en fait une annonce de la suite de ce qui va se dérouler tout à l'heure. Un petit live sur cette nouvelle version. Allez hop, un peu d'argile tant qu'à faire. Pour l'instant ça tient le choc, la pelle est encore en état. Hop. Je prends quelques minutes pour faire la publication de cette vidéo. Voilà. Et on se retrouve pour un petit live vers 21h ce soir. Donc juste au moment où paraîtra cette, je pense, cette vidéo, le temps de faire mon montage et tout le machin. Et on sera bon. Donc je vous dis à tout à l'heure. Salut !